德国当地时间7月6号中午11点，也就是香港时间6号的17点，备受关注的德国奥伯豪森水族馆的章鱼又出动了。Que pase la estrella mediática más importante de la actualidad, el pulpo Paul. Fuerte aplauso para el pulpo Paul. And a psychic German octopus called Powell could find himself on the menu. 主管饲养的这只章鱼保罗实在太神准了，来看到呢，模仿记录也搬出来，由纳豆饰演的保罗。Chega de vuvuzelas e jabulanes. Vamos agora conhecer a intimidade do grande mascote dessa Copa, que aliás nunca pisou na África do Sul, mas impressionou o mundo inteiro com seus palpites. C'est officiel, normalement, c'est l'Allemagne qui finira troisième de ce mondial pour la petite finale. Polo le poulpe, on le rappelle, qui ne s'est jamais trompé. Paul le poulpe, je l'ai capturé dans le golfe de la Ciotat et je l'ai expédié au mois d'août 2009 à Oberhausen, en Allemagne. C'est devenu le poulpe le plus célèbre de la planète. Les poulpes ont des facultés de mémoire impressionnantes. Tu leur fais faire ce que tu veux dans la mesure où tu passes un peu de temps à les apprivoiser. Qui pouvait penser que ça aurait pu prendre une telle ampleur? Après, tout le monde voulait que le poulpe fasse ses pronostics, et puis c'est devenu, il y a une statue, je crois, qui a été faite à son effigie. Mais moi, je sais qu'il n'avait rien de particulier par rapport aux autres. C'était pas vraiment un devin, contrairement à ce que des gens pouvaient croire. Quoi. Ça n'existe pas. Un poulpe qui devine dans la boule de cristal, c'est... Mais bon, faut laisser rêver les gens. Et de Saint-Pierre. Ils sentent bon, ton poisson. Oh, ils sentent bon. Zos Faber. Bon. 500 euros le poisson, il faut que ce soit génial quand même. Hein. Il là, ils sont morts pour la bonne cause. Comment ça, c'est le bouillon. Maman, il y en a assez, le bouillon. T'as vu comme il y en a. Allez, de toute façon, je ne sers pas deux fois le bouillon. Hein. Une fois. Une fois le bouillon. D'accord. Il a toujours été attiré par la mer. Il était rarement à la maison, on savait où le trouver. À la maison, ça sentait le poisson, parce qu'avec... Il se débrouillait avec une fourchette, une simple fourchette. Et il arrivait dans les pierres à clouer des petits poissons. Et comme il restait des heures entières, il avait toujours de quoi faire une soupe. Il y avait toujours de quoi faire une soupe à la maison, une bonne soupe de poisson. La passion pour la mer, je crois que tu dois l'avoir à la naissance, c'est dans les gènes, ça je sais pas exactement, parce que moi j'ai l'impression d'avoir toujours eu cette passion. J'ai attrapé le virus de la mer à travers les vitres d'un aquarium, j'étais tout petit, de l'ordre de 2-3 ans, quand ma mère me menait à la boulangerie du quartier, il y avait un aquarium méditerranéen dans cette boulangerie, et j'étais fasciné par ces poissons. J'avais déjà envie de pénétrer ce milieu. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir au sein même de ma famille des aînés, un aîné surtout, qui Gilbert, qui m'a mené à la mer très jeune, et puis qui m'a inculqué un petit peu toutes les techniques de pêche, et qui m'a transmis la passion, et puis c'est parti de là, quoi. J'étais chasseur sous-marin avant de savoir nager, je savais vraiment pas nager. Si tu me levais le masque et le tuba, j'allais au fond. À la Ciotat, de minots, dès qu'on a 6-8 heures, on est tout seul, on est au bord de la mer, on commence à pêcher avec les couennes, on commence à pêcher au bord. Et on venait faire aussi bien les oursins que les poulpes, qu'attraper des rascasses dans les ragues. Quoi. On allait pêcher un peu sur les petites roches qu'il y avait à la sortie de la Ciotat, à la Villa des Tours, qu'on appelle maintenant. Il y avait les mattes de Saint-Jean. On chassait là, au bord de... Maintenant, c'est envahi par les digues, tous ces endroits.
tous les jours, tout l'été, tous les matins, on avait quasiment une pointeuse au bord de l'eau. Et c'est là que j'ai appris à capturer mes premières rascasses. Et donc, dès que la température de l'eau nous permettait de pouvoir nous tremper, on était à la mer. Il y avait ce qu'on appelle des ragues, c'est-à-dire des strates de roches qui s'avancent dans la mer et qui étaient des abris pour les poissons. Et quand tu es gosse, que tu ne sais pas encore nager ou que tu sais à peine nager, tu commences dans très peu d'eau ou tu es à pied et tu lorgnes ce qu'il y a au fond et c'est très très riche. C'est pour ça qu'on s'est toujours battu pour pas qu'il y ait une bétonisation intense des zones littorales. Toutes ces zones abritent énormément de poissons et d'espèces d'invertébrés, des oursins, etc., etc., qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Il y a un tas de vie qui est nécessaire à l'empoissonnement et à la colonisation des espèces dans le reste du golfe et dans le reste de la mer. Et ça, c'est pas la bouillabaisse comme sur le port de Marseille. Hein. Yeah. Oh, mais il y a un poil. Attends, je te le lave le poil. Hein. Même chez Posidon, elle n'est pas si bonne. Je te le lave le poil. Même chez Posidon, elle n'est pas si bonne. Un jour, il a eu l'opportunité de prendre un gros loup, un très gros loup, un poisson de 7 kg, je crois. Un poisson tout à fait énorme pour la variété. Et quand j'ai su ça, j'ai dit à Gilbert, tu vois, celui-là, il n'a pas fini de nous emmerder. C'était le temps où on chassait, on n'avait pas de fusil à pompe. On avait, disons, fait une arbalète avec des baleines de parapluie et on tirait les poissons carrément avec une flèche qui n'était pas tenue. Donc si le poisson était tué mortellement, on pouvait l'attraper. Autrement, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a de bon même trois poissons. Et quand on pêchait dans le port, on a le cajot, le cajot, le cajot sur la tête pour pas qu'on nous voie. Ça c'était après. Même quand il était très jeune, il avait l'instinct du chasseur. On a commencé à faire les compétitions ensemble à partir de 16 ans. Là. À l'époque, il fallait des certificats médicaux. Le docteur, il vient à la maison, le docteur de famille. Et le temps qu'il avait consulté ses parents, il arrache 2-3 feuilles de consultation du docteur. Et il a fait un faux certificat. Pour lui, pour moi. Ben parce que j'avais pas l'âge. J'avais pas l'âge de faire les compétitions de chasse sous-marine. Il sort, il manque le masque comme ça. Il perd les deux palmes, on rattrape une palme, on rattrape l'harpon, tu te rappelles? Ouais, ça je me rappelle, ouais. Je m'étais fait prendre par là, la vague. Et on part. On a fait la compétition avec une seule palme. Lui, il a fait la compétition sur une palme, et alors, ce petit, alors, moi j'avais les deux palmes. Et, Ouais, les palmes. Et il s'est qualifié quand même. C'était un hargneux, vraiment un passionné. Il était à fond là-dedans. Et toujours recherché de prendre le plus de poissons possible. Se faisant violence, en allant faire les compétitions, à nager des heures pour prendre 2-3 poissons. Il fallait avoir envie pour prendre 2-3 poissons, hein, faire se taper 5 heures de compétition. Moi, c'est ce qui m'a un peu écœuré. Et lui, il avait toujours la pigne. La chasse sous-marine, ça nous a ouvert surtout l'horizon d'aller par tous les temps à la mer, prendre rien du tout et comprendre surtout l'évolution du poisson. On était minots, ouais. Si on regarde bien, il doit avoir des écailles dans le dos. Parce que c'est un poisson, il est toujours dans l'eau. Eh oui, il est là. Après combien de temps? Beaucoup. Carissimo. Je suis mon ami. Tu m'avais dit de venir. Tu vois, je suis venu. Voilà, voilà. C'est un plaisir. Regarde, plaisir.
Renzolino. Come sono contento. Davvero. Questo è mon amico di tutto. Grande, grande amico. Come stai? Bene, bene, tutto bene. Toujours pêcheur? Come toujours. Comme toujours. C'est un peu grand. Piano, mais, piano. Mais je suis né pêcheur et je suis resté pêcheur. Et moi, je mourrai pêcheur. On espère. On espère. La dernière fois que je t'ai vu, c'est pour les 50 ans de Bernard. C'est ça. Ça c'est-à-dire 10 ans. 10 ans. Au moins. Ouais, au moins. 10 ans. Ah. Il y a beaucoup de petits poissons, c'est joli à voir, c'est pas profond, on y va. Oui, relax. Quelques... C'est une épave en fer ? En fer, oui. D'accord. C'est grande épave ? Il a pris sur une rocher. On a toujours été adversaires dans l'eau et aujourd'hui on est équipiers. Et ça, c'est fantastique. Surtout 12 ans après, c'est vraiment fantastique. C'est un grand moment. Pour moi, c'est un très grand moment de ma vie parce que retrouver celui que j'ai toujours admiré et celui derrière qui j'ai fait les meilleurs résultats, c'est un moment très fort. Je suis né sur l'île d'Elbe et je suis fier d'être originaire de cette terre. De très grands noms de la plongée sous-marine ont écrit leur histoire ici. Jacques Mayol et Umberto Pellizzari pour l'apnée. Et Carlo Gaspari, qui a été champion du monde de chasse sous-marine en habitant ici, à Porto Ferraio. Je me suis donc inscrit dans cette tradition de l'île d'Elbe. Le match, c'était France-Italie, hein, surtout quand on allait jouer chez eux en Sardaigne ou en Sicile. Renzo, c'était un grand stratège, lui. La chose qu'il avait en plus des autres, c'était certainement sa faculté à analyser une zone. Un champ de pêche, par exemple, c'est 10 ou 15 km sur le long d'une côte, illimité vers le large. Et lui, il avait une capacité à analyser la zone, à se déplacer dans la zone pendant la compétition, à être tout le temps au bon endroit, au bon moment. Je ne l'ai jamais vu faire d'erreur, je ne l'ai jamais vu se planter. Et c'est quelqu'un de très complet. C'est quelqu'un qui est capable de chasser dans 7-8 mètres de profondeur, comme il nous a mis une raclée monumentale à Istanbul. Un mois après, il est capable d'aller pêcher dans 40 mètres de profondeur et d'être encore dans le top niveau. C'est une des journées les plus étranges de ma vie. Car au vu des résultats de la première journée, j'avais perdu tout espoir de conserver mon titre de champion du monde. Je devais rattraper 11 000 points sur Riccardo Molteni, extraordinairement en forme. Et je devais aussi reprendre 5 à 7 000 points sur Gérard Carodano. Je vais te dire une chose que je n'ai jamais dite. Après une heure de compétition, j'avais fait le tour de la zone et je n'avais pas pêché un seul poisson. Des compétitions comme ça, on va à la limite. Hein. On va au-delà de la limite même. Hein. Les apnées au-delà de 30 mètres, le font d'une 50 à 2 minutes. Quand on prend 30 poissons, ça veut dire 50 apnées. C'était abominable. L'ultima discesa. C'était la dernière descente. J'attendais au fond, j'étais à l'Agachon, dans la Posidonie, et j'espérais que le petit mérou que j'avais repéré bouge. Et j'ai alors vu un corbe d'un kilo, je l'ai pris et je suis remonté à la surface. J'ai gagné de 500 grammes et ça a été mon coup de chance. J'ai disputé 4 championnats du monde, mais celui-ci en Sardaigne a été le début de la popularité de la pêche sous-marine.
Mon cœur battait à plus de 1000. L'attention était énorme au moment de la pesée. Parce que personne finalement ne savait la différence qu'il pouvait y avoir entre un poisson pêché et validé pour 2 grammes et un autre qui ne l'était pas pour 5 grammes. Tout le monde faisait des calculs et pendant ce temps-là, moi, je restais renfermé en espérant. Et à la fin, ça a été une libération de toute cette pression que j'avais sur moi. J'ai même explosé en larmes. Je connais Renzo Mazzari depuis plusieurs années maintenant. Je le considère plus qu'un compétiteur, je le considère comme un ami. Il m'a soufflé le titre de champion d'Europe l'année dernière. Cette année, il me souffle le titre de champion du monde, c'est la loi du sport. Mais ce que je veux dire, c'est que Renzo Mazzari, c'est quelqu'un de très 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 fort et que se faire battre par lui, c'est quand même quelque chose. Perdre le titre de si près, ça fait quand même peine. Mais Renzo Mazzari, c'est quelqu'un d'extraordinaire dans la chasse sous-marine. Tout est parti de la chasse sous-marine. J'ai fait 22 ans de compétition de chasse sous-marine, dont 12 ans au niveau international. Être arrivé second derrière Renzo, c'était déjà, je pense, une belle performance. Je n'avais pas à viser plus loin et je n'avais pas la possibilité. Donc j'ai décidé 2 ans après d'arrêter. C'était ma raison de vivre, quoi. J'ai laissé mon premier foyer dans les compétitions. J'ai divorcé parce que ma femme ne me voyait jamais. J'ai pas trop vu grandir mes enfants. Parce que j'étais par mons et par vaux. Quand j'étais pas en compétition, j'étais en mer. Il avait un nez, comme il a toujours d'ailleurs, ça, il n'a pas perdu. Parce que quand il a transféré son activité depuis la pêche sous-marine vers la pêche professionnelle, il a gardé cette faculté à trouver le poisson. C'est un chien de chasse. Et l'avantage qu'il avait par rapport à tous les pêcheurs professionnels qui bien souvent n'ont pas mis un masque sous l'eau, c'était d'avoir toute cette expérience, tout ce bagage. Ça lui a permis d'observer tout ce qui se passe sous l'eau, tout le comportement du poisson, de le voir, de le vivre, la connaissance que ça demande de la mer, des périodes, du temps, du courant, de la température de l'eau, etc., etc. Gérard est un biologiste, un véritable biologiste. Il n'a pas été formé sur les bancs d'une université, mais il a appris ce que seulement les personnes qui fréquentent la mer au quotidien peuvent savoir. Aujourd'hui, il connaît tous les secrets de la pêche, des petits poissons qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il a une expérience qui me fascine énormément. J'ai appris à connaître les poissons, j'ai appris à les regarder, j'ai appris à les aimer, j'ai appris à les pêcher, je les ai traqués pendant des années. Je n'éprouve plus le besoin de chasser à l'arbalète parce que je continue à chasser avec une épuisette. Et le challenge est encore plus pointu parce que j'ai tous ces paramètres qui sont nécessaires pour arriver à maintenir des poissons vivants pour les destiner aux grands aquariums, qui sont, pour moi, au moins autant satisfaisants que la chasse sous-marine. C'est vrai que chez moi, c'est complètement différent. Les poissons sont beaucoup plus méfiants, peut-être, mais il y en a beaucoup plus au niveau de la biomasse. Toi, il y a certains spécimens que tu as beaucoup, comme les apogons, comme les girelles pan, beaucoup de poulpes, j'ai vu, beaucoup de poulpes. Hein. La Posidonie, l'herbier, il est beau. Il est en très bonne santé. On voit qu'il est très sain. La plante, elle est bien grasse, elle est très belle. Il y en a beaucoup. J'ai vu dans le golf là qu'il est en bonne santé. Ouais. Il n'y a qu'un problème. Jusqu'à là, à Lille, il y a la cowler taxifolia. Voilà. Là, il n'y en a pas. Non. Les réserves faites n'importe comment, c'est zéro, ça vaut rien. Mais les bonnes réserves qui sont... Contrôlés, qui sont gérés avec la participation des pêcheurs et des gens de terrain. Il en faut des réserves parce que c'est ces réserves qui t'apportent tous ces alevins que tu vois là et qui vont... Ils redonnent la vie. Voilà. Ouais. Una.
Ça va, ça va, ça va. Je reconnais avoir été ce qu'on appelle, entre guillemets, un braconnier pendant quelques années. C'est-à-dire qu'on pêchait, puis on allait vendre nos quatre oursins aux voisins et tout pour se faire un petit peu d'argent de poche. Et jusqu'au jour où j'ai pris la décision de quitter les chantiers navals dans lesquels j'ai travaillé une dizaine d'années. Alors là, ça a été le drapeau en berne, à la maison, et tu vas mourir de faim. Je suis devenu pêcheur professionnel. Très vite, mes parents ont compris que j'arriverais à m'en sortir. Autant quand j'étais au chantier naval, je mettais le carton dans la pointeuse, il me sortait de l'urticaire. Et quand j'étais pêcheur professionnel, je ne comptais pas les heures. Il n'y avait pas de samedi, il n'y avait pas de dimanche. Parce que j'ai commencé à vivre de ma passion à 30 ans. Je me suis embarqué sur un bateau de pêcheur professionnel pour avoir les années de mer. Puis après, j'ai eu mon premier bateau. J'ai rencontré Gérard quand j'ai commencé à accéder au niveau national dans la compétition de pêche marine. J'avais vu que bon, il avait une grande connaissance de ce milieu marin. Et à l'époque, je l'ai aiguillé vers l'aquaculture. Parce qu'il me rendait compte un peu de ses difficultés dans la pêche. Et je lui disais, mais attends, il y a peut-être une opportunité pour toi. C'est de valoriser ta ressource, les poissons que tu prends, de les garder vivants et d'aller vers le monde de l'aquaculture. Parce qu'à l'époque, il y avait une grande recherche vers des géniteurs, c'est-à-dire des reproducteurs de loups. Et personne n'arrivait à en trouver. Et ça, ça a été tout l'apprentissage de Gérard, c'est de pouvoir commencer à prendre des espèces vivantes et de savoir comment, justement, les garder dans bon état et de nous fournir des œufs pour après faire nos travaux scientifiques. Droit sur la pointe d'en face. On s'est aperçu qu'effectivement, en remontant des poissons à la surface, eh ben, la vessie natatoire était dilatée, que le poisson se retournait sur le dos, et que si on le laissait en l'état, eh ben, on avait la mortalité assurée du poisson. On a fait des tentatives de perçage de la vessie natatoire, et on s'est aperçu qu'effectivement, c'était tout à fait envisageable. On prend les deux tiers du poisson, à l'endroit où la couleur le change, là. Ça m'a été appris par Michel Cantou au téléphone, en plus. Et Michel m'avait dit, tu te débrouilles de trouver une aiguille à ponction lombaire chez ton veto ou quoi. Et puis bon, j'avais quand même vidé pas mal de poissons dans ma vie de pêcheur professionnel. Et j'avais vu la vessie natatoire où elle se trouvait quand on vide un poisson. Et après, c'était pas très très difficile de regarder sur un poisson mort par où il fallait passer pour ne pas toucher un organe vital. Et j'ai raté le premier, puis le second, le troisième, j'en ai piqué des centaines de loups. Cette manip, elle est valable pour tous les poissons, les persiformes, comme le loup. En l'occurrence, pas mal de céranidés. Tu peux piquer un mérou. Ce sont des poissons qui ont besoin d'avoir cette poche d'air pour pouvoir nager entre deux eaux. La perfusion n'est pas difficile. Par contre, la manipulation du poisson qui vient d'être pêché, ça, c'est quand même quelque chose d'un peu particulier. Il faut manipuler les poissons dans une serviette éponge mouillée ou dans une serpillière, lui cacher les yeux. Là, on le calme et puis on risque moins de se faire mal avec les épines s'il a une mauvaise réaction. Et le secret, c'est de savoir sortir l'aiguille au moment où on a levé assez d'air. Parce que si tu lèves trop d'air, le poisson, il est mort. Alors, je vais vous montrer un bassin dans lequel il y a des poissons qui ont été pêchés il y a quelques années déjà par Gérard. Lorsqu'on a commencé nos travaux de génétique, il nous fallait un grand nombre de géniteurs sauvages, donc issus du milieu naturel. Ça devait être début des années 2000. On a été le voir à La Ciotat. On a vu que les poissons qu'ils proposaient étaient des poissons qui étaient en super forme. Contrairement, par exemple, aux poissons qu'on avait essayé de récupérer par des gens qui pêchent au filet à Palavas, les poissons étaient abîmés, c'était des filets maillants, les poissons se débattent. Au contraire de ça, on est tombé sur des poissons qui étaient d'un aspect pratiquement de poissons d'élevage, qui étaient très calmes, qui nageaient sans,
sans se faire de mouron apparemment, et qui venait d'être pêché quelques jours plus tôt, quoi. Des gens capables de faire ce travail, de récupérer des poissons vivants en mer, pratiquement il n'y en a pas. Hein. On savait que c'était exceptionnel. Ça nous a permis de démarrer nos travaux, et en particulier nos travaux sur la domestication. On ne pouvait pas faire autrement que de prendre contact avec lui. On a posé les bases de la génétique chez cette espèce. La station de Palavas est à l'origine de la mise au point du process d'élevage, qui maintenant est utilisé de manière universelle sur cette espèce partout en Europe. Et c'est ici, dans ces installations, qu'on a pu mettre au point des techniques qui nous permettent d'avoir des animaux qui se développent normalement. On a des pontes qui portent sur plusieurs centaines de milliers d'individus. Et donc ça, c'est un avantage énorme parce qu'on a des recombinaisons multiples qui sont faites. C'est une grande chance pour le poisson d'avoir des spécimens sauvages, chose que nous n'avons plus pour beaucoup d'espèces terrestres, comme le cochon, la vache, la brebis. Que va faire le généticien ? Le généticien, il va donc sélectionner des souches sur différents critères. Donc les critères dont on parle, c'est la croissance, le taux de gras, la résistance aux maladies, la capacité à consommer des aliments qui contiennent une partie végétale, etc., etc. Bon, on peut choisir ce qu'on appelle les critères d'intérêt, qui sont très nombreux. Et puis, il y a également l'effet de la domestication. C'est quelque chose qui s'est fait donc, pour les espèces terrestres sur des milliers d'années, que nous commençons à peine sur le poisson, et pour lequel bon, il y a des informations scientifiques qui sont très intéressantes et qu'on peut collecter. La domestication, qu'est-ce que c'est ? La domestication, c'est l'utilisation par l'homme d'une souche sauvage à l'origine dans un but alimentaire. Ça peut être d'autres buts. Hein. Mais bon, là, pour le poisson, c'est exclusivement, même pour la consommation humaine, qu'on fait de la sélection. Pour l'homme, je pense qu'il y a toujours eu un peu ce mélange entre l'amour de la vie sauvage et le désir de vivre avec des animaux, en fait, et de les amener chez nous, donc de les domestiquer. Pouvoir les observer, pouvoir les étudier, donc les avoir à côté de nous. C'est peut-être un peu égoïste, mais c'est comme ça. Procédé, c'est moi qui l'ai inventé. Bon, ça va de soi, quand on a capturé déjà des poissons avec une épuisette quand on était tout gosse, c'est du matériel de récupération. L'armature est en fer à béton. Le manche, c'est mon père qui me le fait dans des manches à balai. Et c'est très très efficace. De toute façon, je ne les trouverai pas dans le commerce. Donc, je suis bien obligé de fabriquer l'engin de capture. Je capture beaucoup de la bridée, les antias et la pogone, c'est tout avec ce genre d'épuisettes. Du fait que le diamètre des épuisettes est assez grand, j'arrive à les capturer un petit peu comme un gosse capture des papillons, en le couvrant par-dessus. Et je fais une épuisette très profonde avec le filet pour que le poisson puisse essayer de s'échapper vers le bas de l'épuisette. Il se retrouve pris dans le filet et il a du mal à sortir. Les mailles étant très très fines, les poissons ne sont pas du tout abîmés. Il n'y a pas de carence postérieure à la capture. Ça permet d'avoir les poissons intacts, quoi. Les antias, c'est un des poissons, si ce n'est le poisson le plus demandé par les grands aquariums publics, musées européens. Pourquoi ? Parce que c'est un poisson qui est magnifique d'abord. Ce sont des poissons qui vivent très vieux. À Monaco, ils en ont depuis au moins 25 ans.
Ces poissons, par contre, comme beaucoup de séranidés, ou pratiquement tous les séranidés, sont des poissons qui ne supportent pas la variante de profondeur trop rapide. Lorsqu'il y a un facteur de stress, ils bloquent, et quand on les remonte par un moyen artificiel, la vessie natatoire se dilate, et là, si tu les captures à 30 mètres, elles ont trois fois le volume initial de leur vessie, donc elles sont complètement déséquilibrées, et tes poissons, ils clamsent dans les 20 prochaines minutes. Soit il faut leur perfuser cette vessie natatoire, mais comme ce sont des poissons de petite taille, quand on les pêche, c'est très difficile de piquer un poisson sans le blesser. Donc on a cherché pendant, ça a duré à peu près 4 mois pour arriver à trouver le bon palier et surtout le bon module dans lequel il faut installer les poissons. J'ai compris qu'il fallait un volume rigide, et volume rigide transparent ou dans lequel on pouvait installer des poissons sans qu'ils se fassent manger, c'était les bouteilles d'eau minérale qu'on installe sur les fontaines à eau froide. Alors on a percé ces bouteilles, on a enlevé les bavures et on place les antias à l'intérieur. Alors on les a mis à 17 mètres parce qu'à 17 mètres elles restent à l'horizontale, donc là il n'y avait pas de problème. Donc le premier palier c'était 17 mètres, 17 mètres toute la nuit, le lendemain on passe à 14, puis après on passe à 11, et chaque fois avec 6 heures d'écart, et puis de 9 à 0 encore une journée, et là pof, on sort les spécimens intacts. Dans les 24 heures suivantes, elles commencent à se nourrir et là on a gagné. Aujourd'hui, je pense travailler avec une trentaine de points différents sur toute la zone euro. Le travail avec les aquariums s'est considérablement amélioré depuis l'arrivée de l'Internet. Un jour, je reçois un mail comme ça de quelqu'un que je ne connais pas, qui me demande, qui me dit « j'ai entendu de parler de vous à travers Monaco, à travers Stuttgart, à travers Berlin ». Et il me demande en général une stocklist où il me demande déjà les spécimens qu'il souhaiterait avoir. Il me demande comment on procède pour les expéditions. On leur explique qu'à telle saison, on peut avoir tel spécimen, et à telle saison, on n'en a pas forcément. Et après, on envisage une expédition par transporteur privé. Ça concerne surtout les poissons et les invertébrés de petite taille, quoi. Et soit le client directement affrète un camion et vient chercher les spécimens. Il a fallu que je fasse des expéditions fictives pour pouvoir arriver à gérer les températures lors du transport, c'est-à-dire simuler une expédition avec un volume de bouteilles congelées à l'intérieur des bacs et surveiller les différences de température pendant le transport parce qu'il ne faut pas que ça tombe trop bas. Et ça, l'été, là, les 2-3 mois de grosse chaleur, c'est quand même assez difficile à gérer. Parce que si on monte trop en température, les poissons sont en hyperactivité. En hyperactivité, il y a des rejets. Même si on arrête de les nourrir 48 heures avant, le taux d'ammoniac monte beaucoup plus vite lorsque l'eau est chaude que lorsque l'eau est froide. D'abord, on doit mettre les spécimens en quarantaine. Ils arrivent dans de l'eau de mer Méditerranée, dans un colis sombre et une autre température. Progressivement, on va les habituer à un autre univers, une autre eau, une autre composition chimique, une autre température, en ajoutant notre eau de mer artificielle. Tout cela sans trop de luminosité. On les laisse comme ça 1 à 2 heures et après on les met en quarantaine pendant 2 ou 3 semaines, avant de les introduire dans nos bacs accessibles au public. On va ajouter un peu d'eau parce qu'il en manque un peu et on va le faire petit à petit pour ne pas qu'ils subissent un choc. Ils restent en quarantaine aussi longtemps que nécessaire, tant qu'ils ne peuvent se nourrir correctement. Certains spécimens peuvent vivre beaucoup plus longtemps en aquarium que dans leur milieu naturel, car ici, ils ont moins de prédateurs. Par exemple, nous avons un mérou depuis 25 ans qui est arrivé en étant déjà adulte. Les étoiles de mer, elles, vont directement dans l'aquarium. Leur temps d'adaptation est bien moindre. Elles n'ont pas de parasites et n'ont pas besoin de s'adapter à une nouvelle nourriture. Elles se nourrissent de micro-algues et de micro-déchets. Donc on équilibre juste la température de l'eau avant de les mettre dans le bac pour le public. Der Aufwand, der sich
Wilhelma accueille plus de 2 millions de visiteurs par an. Avec la combinaison des espaces zoologiques, botaniques et aquariums, c'est le plus grand parc de cette sorte en Europe. Il y a plusieurs fournisseurs de spécimens, mais on est très satisfait de Gérard Carodano, car son conditionnement est toujours excellent. Vous avez vu, il fait très chaud aujourd'hui, mais tout est arrivé en bon état et bien vivant, à une bonne température. Avec lui, nous avons la garantie que les espèces arrivent toujours en vie. Il a mis de nombreuses bouteilles de glace qui ont permis de maintenir les spécimens dans un bon environnement. Depuis quelques années, la grande majorité de nos spécimens méditerranéens vient de chez lui. Et aujourd'hui, nous n'avons eu aucune perte à déplorer. Depuis que nous travaillons avec lui, il y a eu moins de 1% de pertes. C'est très très bien. Quand on était gosse, on avait remarqué que lorsqu'il y avait des gens à l'époque qui n'étaient pas spécialement écolos, qui jetaient un peu des décombres dans la mer, on avait remarqué que les petits poulpes avaient tendance à rentrer dans les briques. Et aujourd'hui, je réutilise cette technique de pêche parce que, encore une fois, il y a deux grands éléments qui gèrent l'écosystème marin, c'est l'habitat et la nourriture. Et le plus petit des récifs artificiels que je connaisse, c'est la brique. C'est la brique que tu vas poser dans l'eau, c'est un produit qui n'est pas polluant. Et le petit poulpe, ben, il va aller se mettre dans la brique. Alors ça commence maintenant, là, au mois de juin-juillet, et ils vont se trouver en sécurité à l'intérieur de ces briques. J'ai besoin relativement souvent de poulpes de petite taille afin d'alimenter les grands aquariums publics. Ça vit deux ans et demi, un poulpe. Donc, pour des questions de, justement d'âge et de commodité de transport, car un poulpe de petite taille voyage beaucoup mieux qu'un poulpe de grande taille, il va très bien s'acclimater au milieu captif. Je pose des briques sur des fonds sablonneux, voire des fonds de gravette, là où il n'y a pas beaucoup d'habitat pour eux. Et régulièrement, lorsqu'on me demande des poulpes jeunes, je vais visiter mes briques et je récupère uniquement le nombre de poulpes que j'ai besoin pour pouvoir les expédier. Et ça, c'était une des premières armes de pêche, la brique de 4 et la brique de 5, pour plus de précision. Je vais donner la barre aux deux poulpes, là. Les poulpes, on les appelle, on commence à les dompter à la nourriture, on tape sur les bacs et ils viennent manger chaque fois qu'ils entendent le bruit. Et après, quand tu veux faire voir un poulpe, tac, tac, tu tapes, ils montent tout seuls. On commence à communiquer avec eux et ça fonctionne pas mal. Alors, les poulpes, c'est les spécialistes de l'évasion. Il faut impérativement que les bacs soient couverts et, comme vous pouvez le voir, boulonnés. Parce que les poulpes, ils commencent à monter, et puis de plus en plus, et puis ils comprennent comment il faut faire pour sortir, et puis ils se taillent carrément. Ils quittent le bac. Alors des fois, c'est dommage parce que tu les retrouves morts par terre. Et des fois, ils arrivent à regagner la mer par derrière. S'ils partent du bon côté, ils partent à la mer. Alors comme ça, en général, ils n'arrivent pas à sortir, mais ça est quand même arrivé qu'il m'arrive que les ingénieurs, ils arrivent à passer par le trou supérieur. On a même mis de la moquette collée autour du bac pour éviter que les ventouses se collent dessus, qu'ils aient la prise. Mais ils arrivent à attraper le haut du bac et à faire appui. De toute façon, c'est arrivé à tous les grands aquariums, c'est arrivé à tout le monde. Les poulpes, spécialistes de l'évasion. Et Steve McQueen à côté, c'est un guignol. Et venez voir ici, il n'y a plus la lumière.
Nous avons 250 espèces au Sicorium pour environ 10 000 animaux, 10 000 pensionnaires au sein de notre aquarium. Là, en ce moment, on va dire qu'on a un bon 40% de remplissage dans le Sicorium qui sont des poissons de Gérard Carodano. C'est notre principal fournisseur de poissons méditerranéens. Parce que le secteur méditerranéen est un secteur beaucoup plus, on va dire, artisanal, mais c'est plus difficile de trouver des poissons. Il n'y a pas toute une économie qui s'est faite dessus comme les poissons tropicaux. Donc Gérard étant un acteur majeur de ce milieu-là, on était amené à travailler avec lui. Il y a des poissons, bien sûr, classiques, comme les murènes, les mérous, les petits requins, les roussettes que les gens connaissent. Mais à côté de ça, avec Gérard, on peut avoir accès à des animaux qui viennent soit des grandes profondeurs. Alors ça sera principalement des poissons qu'on appelle les antias ou les bécasses de mer, qui sont difficiles à pêcher parce qu'ils sont profonds, il y a des histoires de paliers de décompression. Donc il faut que ce soit une personne qui connaisse bien son métier pour amener des poissons comme ça. Donc ça, nous avons eu l'accès à ces poissons-là par Gérard, ou même d'autres opportunités sur des araignées qui sont pêchées très profondes, du corail, des oursins, vraiment des animaux qu'on a peu l'habitude de présenter en aquarium. Quelqu'un qui vous dit, bah lui il mange 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, que de maigre ou que de maquereau, que de hareng, c'est voilà, on en gagne des jours d'acclimatation. Hein. Si on a des animaux nouveaux avec Gérard, on va les avoir quelque part avec une fiche technique orale, bien sûr, mais il aura fait tout le travail en amont et donc il va nous apprendre beaucoup de choses sur ces animaux, surtout que ces animaux restent longtemps chez lui, voire plusieurs mois. On a déjà une fois commandé des poissons jusqu'à 6 mois à l'avance, donc pour lui, voilà, c'est une source d'information parce qu'il a vu déjà le poisson évoluer, donc il sait ses caractères biologiques et en plus, le caractère propre à son animal, si c'est un timide, un peureux, un agressif. Donc tous ces petits détails, pour nous, sont une source d'information vraiment extrêmement importante. Parce qu'après, les animaux, on va devoir les mélanger avec d'autres, donc il faut qu'on ait le plus de connaissances sur eux pour bien agir et pour ne mettre pas nos animaux dans des situations périlleuses pour eux, quoi. Une roussette, ça va être autour des 20 euros, ou un labre entre 15, 20, 25 euros, suivant la taille. Et après, il y a des poissons exceptionnels, comme un Saint-Pierre, qu'on peut payer aux alentours des 400, 500 euros. Ou je pense à des poissons, des grands fonds, comme des grondins volants, qu'on a récupérés il y a quelques temps. Pareil, ils sont négociés aux alentours des 300, 400 euros. Certains spécimens n'ont aucune valeur commerciale pour l'alimentation et peuvent avoir une valeur intéressante pour les aquariums. Minimum 4 fois plus, jusqu'à 100 fois plus. Mais bon, cela dit, attention, la pêche représente 10% du travail. Bien souvent, pour attraper 3-4 poissons, je mets 2 heures dans l'eau. Et c'est ces heures-là qui font le prix du poisson. La plus grande de mes richesses, ce n'est pas l'argent que je gagne, c'est le fait de vivre de sa passion. Ça, ça n'a pas de prix. Gérard, en plus, connaît bien les zones où on peut trouver les poissons. Donc, si on lui dit on voudrait étudier tel poisson, il va vous amener à l'endroit. Donc, on peut mieux voir dans quel endroit ils vivent, avec quel genre de poissons ils sont mélangés, s'ils vivent plutôt dans l'ombre, à la luminosité, s'ils sont sur des tombants, sur des secs. Et ça nous permet aussi de voir d'avoir des idées de décoration d'aquarium. Il n'y a rien de beau, le milieu naturel, pour avoir une bonne idée. Des fois, on va à l'eau, on fait des croquis, on les met dans des endroits vraiment magnifiques. Et ça nous permet d'avoir des bonnes idées et après, de transposer ça aux aquariums. Gérard connaît les stocks des poissons, en gros, il les voit tous les jours, il y en a qui pêchent dans ses filets, il y en a qui vont en mer. Donc il va nous dire, ces poissons-là, on arrête d'en pêcher, ça ne sert à pas grand-chose. Ou alors celui-là, c'est un poisson qui est trop pêché par les pêcheurs, peut-être ça vaudrait le coup, à l'inverse, d'en faire un phare et d'en parler au grand public. Il faut savoir que les poissons, si on faisait la somme de tous les poissons qu'il y a dans tous les aquariums de France, ça ne correspondrait même pas à une journée de pêche, c'est-à-dire la biomasse de ces poissons, de la pêche française sur une journée de nos côtes. Donc nous, quand on fait du prélèvement pour les aquariums, c'est quelque chose de négligeable. Mais on fait attention parce que les aquariums sont quand même la première interface avec le public. Donc on est obligé de prélever des espèces. On va pas faire n'importe quoi. On va prélever des espèces qui sont en danger dans le milieu naturel. En tant que SICOM, on a vocation maintenant à développer de plus en plus des missions scientifiques qui vont être autres que la visite pour le public, c'est-à-dire que le SICOM existe un petit peu, devient une interface en fait pour tous les gens qui veulent créer des missions. Et nous avons besoin justement de gens comme ça, on va dire des sentinelles du milieu marin qui sont déjà sur place, qui peuvent nous fournir une logistique ou nous fournir une source d'information parce qu'ils sont tous les jours en mer et ils voient les animaux passer. Il y a beaucoup de travail qui se fait avec le bureau de Méditerranée, il y en aura aussi je pense sur les invertébrés comme les coraux.
Je fais partie du GEM depuis, depuis 8 ans ou 7 ans, parce que c'est ma troisième mission sur la Ciotat. C'est ma troisième mission pour laquelle j'ai pris la responsabilité entre guillemets de la logistique. Quoi. J'étais hostile à ces genres d'opérations. Parce que je disais que c'était complètement bidon. J'ai un petit peu revu mon opinion parce que je ne savais pas exactement comment y travailler. Dans le GEM, il y a aussi bien des scientifiques du milieu en biologie marine, il y a des chasseurs, il y a des apnéistes, il y a des photographes et il y a des gens comme Gérard qui sont pêcheurs, braconniers repentis, chasseurs et qui ont une connaissance du milieu tellement importante que eh ben, c'est un échange qui est très très utile également aux scientifiques et vice-versa. Hugues, si tu me vois soulever le bloc, tu me flagelles, hein, parce que je me suis fondu le dos hier encore. Alors aujourd'hui, journée de mission GEM, groupe d'études numéro 2011, à savoir comptage, recensement des mérous sur toujours sur les mêmes zones d'ailleurs. Pour avoir des bases de données fiables, on va mettre une palanquée de plongeurs, une douzaine de personnes, grosso modo, en batterie avec un protocole à respecter. Sur une roche, ils vont prendre à vue un de l'autre une trajectoire, ils vont suivre une roche, ils notent l'heure, le calibre, le sens de nage pour éviter au maximum de faire des doublons. Des spécimens, puis après il y a un débriefing suite à la plongée, pour arriver à voir l'évolution des quantités de mérous bruns et Pinéphalus marginatus. Dans les goulets, ils sont toujours là, bon, mais là, normalement, avec la thermocline comme elle est, je n'ai pas de soucis, vous allez les trouver, il y en a un peu de partout. Moi, ce que je vous demande, on en a parlé avec Jean-Michel, on ne passe pas pour les plus profonds, 40 mètres. Ça ne voilà, sert à rien. Absolument. C'est pas pour voir un poisson en dessous de 40, parce que de toute façon, vous allez trouver la fraîcheur à 35 mètres, d'après moi, aujourd'hui, puisque hier, c'était 30. Aujourd'hui, il y a 35 mètres d'eau chaude. Les poissons, ils n'en ont rien à cirer, ils seront dans l'eau chaude. Et on ne va pas aller chercher à faire du palier à tout va et à pomper de l'air. L'action du GEM, ça a été de faire protéger le mérou par un moratoire, c'est-à-dire une interdiction limitée dans le temps qu'on essaie de renouveler. On est dans un site qui n'est pas une aire marine protégée et où le mérou est protégé depuis 1993 de la chasse sous-marine et de la pêche à l'hameçon. Ben, le mérou est en bout de chaîne alimentaire, on va dire. Il n'a pas de prédateur à part l'homme. Si le mérou va, tout va, a-t-on l'habitude de dire au GEM. Et donc, en étudiant le mérou, on a pas mal de données sur tous les échelons dessous, toutes ses proies, tout l'écosystème qui va avec. C'est quand même un animal qui a été très touché par certaines pêches, la chasse sous-marine. Surtout la chasse sous-marine. Ça a fait chuter ses stocks d'une manière drastique. Un poisson qui n'était très peu pêché par la pêche professionnelle avant. Avant les années 40-45, vous voyez, le début de la chasse sous-marine. On ne connaissait que des vieux mâles ici. Pas de femelles, ou très peu, très accessoirement, et surtout pas de jeunes. Le GEM s'est fondé juste à ce moment-là, en 86. Et à peu près au même moment, on a commencé à avoir des petits, disons, de 20-25 cm en Corse. Et réchauffement climatique aidant, ceux-là sont arrivés ici, et on a eu le phénomène de reproduction qui n'avait jamais été vraiment observé, qui se passe maintenant ici. On
on a des résultats très intéressants avec des retours du mérou. Et par exemple, là, en gros, on est à une bonne quarantaine minimum de mérous. On peut s'attendre à les voir. Alors qu'il y a quelques années, il n'y en avait qu'une trentaine, une vingtaine. Donc, a priori, une population qui s'installe de façon durable. Et c'est ça qu'on analyse à travers ce type de comptage. Si on m'avait dit il y a 25 ou 30 ans que je verrais le nombre de mérous ou le nombre de dentis que je vois ou le nombre de barracudas que je vois aujourd'hui, je n'aurais même pas pu l'imaginer. On ne peut pas dire que la Méditerranée va moins bien aujourd'hui qu'il y a quelques années. Au contraire, on se retrouve avec des informations ou des descripteurs de l'état écologique, hein, des indicateurs, hein, des niveaux d'indication qui nous montrent qu'on n'est pas si mal que ça, quoi. Que ce soit sur la dimension écologique ou que ce soit sur la dimension chimique. Et pourquoi on n'est pas si mal que ça? C'est parce que les gens ont agi. Hein. Si on regarde les politiques d'assainissement de ces 20 dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Si on regarde la mise en place de bonnes pratiques aussi, d'organisation des mouillages, il y a eu beaucoup d'efforts de fait, etc. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas de mobiliser des moyens pour réparer les situations. C'est ce qu'on fait depuis une vingtaine d'années. Mais c'est d'éviter de se retrouver dans une situation où on a justement de la réparation à faire. Parce qu'en général, on sait mal réparer les choses, ça prend beaucoup de temps et ça coûte très cher. Donc maintenant qu'on a des niveaux écologiques qui sont intéressants, faisant en sorte que les activités humaines qui se développent ou que les aménagements qui se mettent en place soient le plus possible respectueux en fait, de ce milieu, de manière à faire cohabiter les activités et le milieu naturel. Quoi. Le mec, il a cru que parce qu'il avait un gros bateau, il avait le droit, tu vois, c'est le trou du cul qui est ici, là. Alors il tire, cet enfoiré, il tire le mouillage pratiquement à l'horizontale, nous on comprenait qu'il ravageait tout. On lui dit avance. Et le mec, il sort, il me fait comme ça. Alors, tout ce qu'il y avait dans le bateau, il se l'est pris dans la gueule. On a commandé le pistolet à paintball et le prochain, on le repeint carrément. 60 mètres, c'est 200 mètres de chaîne, c'est du girobroyage de Posidonie. Le problème, c'est que personne ne voit ce qui se passe dessous à part nous. Et ça, on ne peut pas aujourd'hui accepter ça. Il fait remonter les observations de mouillage des grandes unités. En plus, dans la baie de la Sauta, il y en a un certain nombre. Hein. Sur un écosystème qui est protégé hein, par la loi, hein, qui est la baie de Posidonie. Et il nous fait remonter l'information avec des fréquences, avec des localisations, avec des tendances, etc. Donc nous, effectivement, ça nous sert à attirer les gestionnaires locaux sur le fait que les ancrages de grosses unités sur l'écosystème Posidonie, c'est pas que de la théorie, localement, ça existe et c'est ça. Gérard, en fait, est l'opération pilote qu'on a engagée hein, sur cette fonction de sentinelle de la mer. Il y a deux fonctions particulières. Quoi. La première fonction, c'est effectivement d'observer. Donc, il regarde sous l'eau. C'est un peu une partie de nos yeux sous l'eau, en fait, hein, puisque lui, il est là et que nous sommes souvent ailleurs ou dans des bureaux. Quoi. Lui, il est sur le terrain. Quoi. Et ensuite, sa deuxième mission, c'est de porter à connaissance. Donc, il observe des choses, il note, il intègre l'information, puis après, il attire notre attention sur ce qu'il voit. Et nous, on prend le relais pour essayer derrière d'utiliser ces informations, investiguer plus, prendre du recul, essayer de corréler les informations qu'on a. Voilà. Magnifique thon rouge de Méditerranée. Espèce en voie de prolifération. Alors la loi prévoit qu'il faut couper le fil pour les envoyer au fond. Nous, on l'envoie au fond de la cale. Tous les retours qu'on a, des discussions avec nos collègues d'Ifremer notamment, montrent qu'effectivement, les populations de thon sont pas en chute libre. Quoi. Voilà, comme on a bien voulu leur faire, le faire croire. Alors, c'est vrai que certains écolos, ils nous ont dit qu'on a été obligés d'exagérer pour essayer de gagner du terrain. Mais là, moi, je ne suis pas du tout inquiet pour la race du thon rouge. Établir des quotas, oui, mais il faut... Bon, les Italiens, par exemple, chaque petit métier a droit à 750 kg de thon non cessible. C'est-à-dire, celui qui ne pêche pas, il ne pêche pas, mais il ne peut pas filer son quota. La France, c'est le contraire. Chacun se prête, se donne, se vend. Et à côté de ça, on a les poissons qui sortent là autour de l'île verte. Et quand tu en prends un, tu rentres avec la peur au ventre parce que tu en fraudes, quoi. Bon, moi, la peur au ventre, ça fait un moment que je ne l'ai plus, mais... C'est pour ça que c'est important d'avoir une information qui soit de terrain, plus possible technique, objective, et que cette information soit portée à connaissance, si tu veux,
de manière à ce que les débats qui s'appuient, qui s'engagent sur les sujets soient un peu étayés. Je pense que Gérard, en dehors de sa fonction de sentinelle locale, il a aussi une fonction d'ambassadeur, quoi. C'est-à-dire qu'il a aussi pour nous une fonction qui, de démonstrateur. Hein. Oui, on est capable, quand on est professionnel de la mer, un peu averti, de s'inscrire dans un dispositif d'évaluation de la qualité des milieux, d'être acteur, en fait, de cette gestion de l'espace littoral. On va donner le départ des hostilités. Vous allez vous réunir dans les salles de réunion qui sont prévues à cet effet, à cet étage. Oui, bonjour, Gérard Carodano, patron pêcheur à la Ciotat, prud'homme de pêche. J'ai un peu plus de 6000 plongées dans cette zone. Et pour reporter un peu une note positive, je voudrais dire que, contrairement à ce que beaucoup de gens veulent faire croire, on a encore des sites qui sont fantastiques, on a encore beaucoup de poissons, on a encore beaucoup d'invertébrés. Certes, ils ont changé leur comportement au travers du fait que le plan d'eau est surexploité par l'être humain. C'est pour ça qu'on a vu dans les 30 dernières années un comportement de certains poissons qui a changé. Mais encore une fois, c'est très positif et il faut que ça dure. Donc, il faut qu'on continue des opérations comme celle-ci. Je voudrais m'adresser également, ça c'est le point positif, à la préfecture maritime pour le petit point négatif. Lorsque je suis sur mon bateau et que j'entends quasi quotidiennement ou très souvent les retardements de la marine nationale, j'ai un petit peu le nœud à la gorge quand je vois tous ces gens qui prêchent pour le bien-être de la Méditerranée et que dans une demi-seconde, on stérilise un périmètre pour faire sauter des lots de munitions ou quelques autres explosifs. Ça, non. C'est quelque chose. Alors, qui me prend les tripes. Je voudrais un éclaircissement et je dis à quand l'arrêt des pétardements de la marine nationale au même titre que les bourrouges de Péchiné, comme on l'a fait pour le nucléaire. Après, je vous pose la question à quelqu'un qui pose juste une réponse très courte. Très courte. Comme on le sait, le pétardement est un produit, une onde de choc qui est généralement assez destructrice pour les poissons qui sont dans le coin. Mais là, c'est un espèce de choix, de balance entre que vaut-il mieux, prend-on un risque pour les ramener à terre et les emmener dans des sites spécialisés ou pas. Voilà. Quand vous trouvez une bombe sur la plage ou à proximité de la plage, c'est parfois plus facile et surtout beaucoup moins dangereux de les emmener en mer que de le pétarder à terre. Merci. Alors, question, quelqu'un qui a la parole là depuis. Je ne suis pas du tout convaincu. Si on veut neutraliser des lots de munitions ou même des engins explosifs, on peut très bien les faire, les neutraliser d'une manière différente. La preuve, c'est que personnellement, j'ai fait capoter un pétardement prévu chez moi à la Ciotat parce que j'ai eu la chance que ça se passe devant mes pieds. La bombe, elle venait de 300 mètres à l'intérieur des terres, on voulait l'amener à la mer. Et c'est par la pression que j'ai mis à la mairie de la Ciotat, aux affaires maritimes, au comité local des pêches, que les démineurs, ils ont pris la bombe sous le bras, ils sont partis la faire péter où ils ont voulu. On me dit de pas en 2009, à l'époque des satellites, où on arrive à enquiller un boulon à des dizaines de kilomètres, qu'on peut pas neutraliser des munitions. C'est bidon. On sent bien que pour arriver à faire quelque chose de positif, ça prend beaucoup de temps. Mais bon, si surtout nous, les acteurs de terrain, on n'est pas là, ben après, il ne faudra pas gueuler de pas avoir pu dire notre mot en temps et heure. Le gros problème, c'est qu'après, dès qu'il y a des enjeux politiques ou des enjeux économiques et tout, et souvent les décisions qui se prennent ne sont pas forcément dans le sens où nous, on espérerait que ça le soit. Quoi. Sixième salon que nous faisons. C'est très important de venir sur le salon parce que c'est un des meilleurs moyens de sensibiliser le public et les enfants. Souvent, ce sont les enfants qui sont les vecteurs de protection envers les parents au niveau de la lutte contre les macro-déchets, au niveau du respect de la mer. Ça nous sert à mieux faire connaître les métiers de la mer, surtout le métier de la petite pêche qui, dans les dernières années, a été très, très agressé avec des lois qui ne sont pas du tout adaptées. Il y a une grande partie des déchets qui se retrouvent dans la mer. Et il faut que vous sachiez, que vous ayez une idée du temps qu'ils mettent pour disparaître. C'est énorme.
Donc, vous voyez, par exemple, une boîte de conserve, ça peut aller de 10 ans à 100 ans avant de disparaître. Le carton, ça va un peu plus vite, ça met de 3 à 14 mois. Et les bouteilles en verre, c'est pratiquement éternel, ça met au moins 4000 ans pour pouvoir disparaître. Alors n'ayez surtout pas honte de ramasser des plastiques, même si ce n'est pas vous qui les avez fait tomber. Dites-vous bien que c'est quelque chose, c'est votre manière à vous de participer à protéger la mer. Chaque fois que vous voyez des déchets, chaque fois que vous voyez quelqu'un qui jette des trucs à la mer, même les mégots de cigarettes et tout, n'hésitez pas à faire des reproches, à dire on ne fait pas ça. Parce qu'après ça se divise en petits morceaux, c'est avalé par les poissons ou par les invertébrés, et on arrive à terme à retrouver ça même dans les poissons. Qui c'est qui veut toucher la peau du requin? C'est... Alors, vous allez voir, c'est extrêmement rugueux. Regardez comme on voit bien que c'est un petit requin. D'accord? Et tous les petits trous, là, comme ça, ici devant, c'est toutes les cellules sensorielles. C'est-à-dire, ça remplace un peu votre toucher et votre odorat. C'est par là où les requins peuvent sentir et découvrir le milieu où ils sont. Ce qui marche très bien, ce sont les bacs tactiles, c'est-à-dire qu'on arrive à faire toucher ou effleurer, caresser certains spécimens qui sont évidemment des spécimens non dangereux. On fait toucher aux enfants des Bernard l'ermite, des raies, on explique les symbioses entre les Bernard l'ermite et les anémones, on explique la différence entre les invertébrés et les poissons, on explique les écosystèmes, les chaînes alimentaires, à partir des cellules planctoniques jusqu'aux plus grands des prédateurs que sont les thons rouges ou les espadons. Et si un seul d'entre eux, un jour, devient biologiste, devient un pêcheur ou s'oriente vers les métiers de la mer, on y aura collaboré, et ça, c'est la plus grande des satisfactions. La Posidonie, l'herbe que vous voyez ici, a un rôle très important dans la mer parce qu'elle va donner l'oxygène aux poissons et leur permettre aussi de se réfugier pour la plupart. Ici, tu as une gorgone. Et là, c'est le gorgonocéphale. Ça fait partie de la famille des étoiles. Entre le Gros du Roi et Monaco, il y a plus un aquarium public à visiter. Alors on avait imaginé qu'on pouvait faire visiter, on pouvait monter une structure. L'idée est bonne, le projet est viable, mais les investissements sont relativement importants. C'est rangé sur une étagère et on verra. Je pense que plus tard, lorsque je ne pourrai plus plonger, si un jour je ne peux plus plonger, ça sera une manière de rester dans le milieu et de continuer à protéger, à préserver. Ça fait partie de son avenir, de transmettre ça. Et c'est son passé et son avenir, parce qu'il n'a cessé et il ne cessera pas de vouloir faire partager sa passion pour la mer. Casser la gueule dans les blocs là. Il y en a une qui est un peu planquée là. Bon Zoé, ça c'est une des méthodes de pêche ancestrales des enfants de la Ciotat. Quand on n'avait pas de quoi acheter des engins de pêche, on a commencé quand on était gosse. À l'époque les bouteilles plastiques n'existaient pas. Et on récupérait les bouteilles avec le cul enfoncé. On les cassait, on mettait des appâts, et tu vois, regarde. Tu vois les crevettes cavernicoles. Alors ça, c'est des lismata. On fabrique des nasses. Là, aujourd'hui, c'est plus facile, parce qu'avec une bouteille plastique, on... Voilà. Et tu vois, la nuit, les petites crevettes, elles rentrent manger les appâts. Et ça, c'est la lismata seticodata. C'est la crevette cavernicole rouge, et c'est celle qui a énormément de fonctions positives au niveau de l'équilibre d'un aquarium, c'est-à-dire qu'elle est détritivore, elle va manger les éléments non consommés par les poissons, voire les poissons morts, et elle a une autre fonction,
elle nettoie les poissons, c'est une crevette chirurgienne, elle nettoie les plaies des murènes, elles vivent énormément en symbiose avec les murènes, elle leur nettoie toute la mâchoire. La murène ouvre la gueule, la lisse matale rentre à l'intérieur de la gueule de la murène, elle nettoie tout le tour des dents, elle nettoie le tour des ouïes s'il y a des parasites, et ça c'est très 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 bon pour l'équilibre d'un bac, et en plus c'est vrai qu'elles peuvent se faire manger par d'autres poissons, notamment des sparidés ou quoi, mais ça, elles peuvent servir de fourrage, mais essentiellement c'est des crevettes chirurgiennes, des crevettes cavernicoles, et elles sont de par leur couleur très demandées, parce que en aquarium tout ce qui est rouge c'est vendeur. Tu veux une sardine? Ouais. Une ou deux? Ouais, c'est bon. Cadence pour la xème fois de l'année. C'est là qu'il faudrait que les responsables européens, là, faudrait les mener un peu, se faire secouer. Les décideurs. Même les poissons, ils vont mis ce jour comme aujourd'hui. Là.